Le loup. Oh là là. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Allez, c'est l'heure du petit coup, de repoter la petite fleur et de planter la graine dans la terre pour que la plante puisse pousser convenablement, les idiotes. Hein? Et quoi, coupette, vous êtes tout. Venez voir Tata David. Donc, voilà. Je vais vous parler d'une façon directe, franche et extrêmement sans cœur. Mais vous voyez, de toute façon, nous sommes dans un monde sans pitié. Vous êtes tous sacrifiés à l'ordre de Baal. Nous, nos petits poulets qui passent à l'ordre, la maison des poulets est en plein feu. Là, le royaume de France est totalement détruit. Il faut savoir. Ah, merci chérie. Ah, il faut que je parle aux deux. J'ai deux matraques devant la bouche. C'est mon côté gourmand. Bon, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Prenez conscience, enfin acceptez-le qu'aujourd'hui, nous sommes face à un mal dont on ne prononce pas le nom. Cela a été déclaré dans la Torah, le Coran et la Bible. Oui, bien sûr, la Reine Rouge est là. D'ailleurs, elle a pris possession de la plupart de vos corps, de vos âmes et de vos esprits. Donc, de toute façon, vous êtes devenus des SBDU. Ça veut dire des services et des biens à double usage. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous n'êtes plus des humains, les picousés. Eh oui, vous êtes tombés dans la gueule de la bête. Malheureusement, leur but, il faut savoir, c'est de détruire toute l'Europe. Détruire nos forces armées, qu'elles soient celles de la paix ou armées. Malheureusement pour nous, tous nos champions sont en train de crever les uns après les autres parce qu'ils ont cédé à la peur. Effacez le mot peur ou utilisez vos mots peur pour inscrire le mot courage. Oui les enfants, oui les teubés, il est trop tard. Le mal est là, nous avons moins de 100 jours avant qu'on l'attaque à la ville. La Reine Rouge a déjà pris possession de vos corps. Qu'est-ce que c'est la Reine Rouge? Allez apprendre sur internet les enfants. Parce qu'en fait on vous a coupé les couilles, les ovaires et on vous a bouffé vos ADN. Le but, c'est de vous transformer totalement. Qu'on soit bien d'accord, il est déjà trop tard. Il est l'heure de la récolte des âmes. Il faut savoir que nous sommes face à la République Caïn, comme dans Star Wars. Que la force soit en toi. Tchoum, 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 tchoum. J'ai pas encore ouvert ma braguette. Hein. Alors, on soit bien d'accord. Les SBDU, comment faire? Les droits de l'homme sont totalement détruits. D'ailleurs, elle a été modifiée il y a très peu de jours. Qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir entre, grâce à M. Valls, en décembre 2016, parce qu'il a mis la justice sous la coupe totale du gouvernement. Il faut savoir que nous sommes dans un consortium. La France est déjà morte. Vous êtes dans une illusion totale. Vous êtes déjà totalement possédé par Bluebeam, si certains connaissent. Ça veut dire qu'on a projeté dans votre conscience des faux usages, des fausses images, des fausses croyances, afin de pousser à un contrôle total et de vous pousser vers l'abîme. Qu'est-ce que c'est l'abîme? Eh bien, cela est servir de plat de résistance à la bête, comme annoncé par la Micron. Sacrée copine, quand même, et sacrément diabolique. Donc, bien sûr, je vous appelle tous, quel que soit ton âge, ta race, ton couleur, c'est toute l'humanité qui est totalement attaquée. Sachez que nous allons vers un mal, que nous allons chercher la bagarre. Oui, il nous a déclaré la bagarre. En fait, c'est la bagarre contre lui, toute l'humanité. Contre la femme, l'homme, l'uniforme et l'être humain que tu es dans tes ombres et tes lumières. Oui, il est trop tard. Oui, il est l'heure de boucher son cul, bande de feignantes. Les quoi, coupettes, hein? Ben, c'est très simple, chérie. Tu dis, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Tu te regardes dans une glace parce que nous avons tous tort et que nous vivons tous dans une illusion qui est en train de bouffer vos esprits. Hein? Et que nous avons besoin, bien sûr, des forces de l'ordre, mais pas seulement, de toutes les bonnes consciences, de tous les guerriers et les guerrières, les Amazones et les Spartiates, qui sont prêts à rentrer dans ce endgame. Eh oui, ils vous annoncent tout via... Parce que c'est pour la loi de consentement, c'est comme ça qu'ils vous bouffent. Grâce à Marvel, par exemple. Oh, vous avez vu, certains Marvel avec Deadpool et le Wolf. Moi, j'ai le loup. Hein, chérie? Enfin, voilà. Donc le but, c'est de vous planter une graine en vous, enfin d'éveiller toutes les consciences. Nous serons que très peu, parce que malheureusement, la majorité des gens sont trop matrixés, sont déjà totalement sous la possession de la Reine Rouge, qui a été envahie. La France,
Vous savez, il y a eu soi-disant cette poussière de Sahara qui a envahi la France. En fait, absolument pas. Il s'agit d'une technologie auquel j'ai bien pu voir le processus de fabrication. Une poussière dite intelligente, extrêmement maléfique, qui prend possession de votre cerveau, qui vous provoque des cancers et qui vous tue. Parce qu'en fait, c'est votre ADN qui plaît. Aujourd'hui, malheureusement pour vous, le plan de l'éradication s'appelle Dejjal.com. Eh oui, c'est mon nom. C'est pas grave, vous en faites pas. J'utilise exactement les hertz qu'il faut. Donc oui, il est trop tard, nous avons moins de 100 jours. Eux, ils vont se faire cuire dans une nouvelle casserole. Vous savez, il faut apprendre le langage des oiseaux. Le langage est extrêmement important. C'est pour ça les quacoubettes. Quacoubettes, 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 quacoubettes. Hein? Ben, remontez vos cellules au niveau de vos couilles pour les remonter au niveau du cerveau. On n'a plus le choix. Hein? Il est l'heure de la fécondation. Il est l'heure de se lever, de savoir un vrai nom. Bien sûr, c'est un total sacrifice. Il faut le savoir. Bien sûr que nous serons comme dans les périodes noétiques, apocalyptiques, où nous serons extrêmement que très peu. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Donc aujourd'hui, nous sommes face à un mal dont on ne prononce pas le nom, qui vous a bouffé, qui a pris votre carte de crédit, qui a volé vos enfants, qui a rendu complètement débile la majorité de la société grâce à toutes ces manipulations, à toutes ces technologies. Nous en sommes tous victimes. Hein? Victimes, bourreaux et sauveurs. Eh ben, t'as qu'à dire je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, mon chéri. Santé. Attends, je sers aussi ma bière. C'est un beau gosse, c'est pour ça. Sachez que c'est un pour tous, nous en l'un, parce que nous sommes tous l'un. C'est tout, c'est comme ça. Il y a certaines vérités, vous savez, l'essentiel est invisible pour les yeux, mais essentiel pour le cœur. Vous ne pouvez voir qu'à travers votre cœur, que si vous acceptez que vous avez eu tort, que vous étiez à traverser par vos mensonges, vos illusions, par les quacoubettes, 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 hein, votre diable. Ah, j'ai horreur de ça. Soyons des starlettes, mais avec un lendemain. Pas sans lendemain, parce que vous allez tous vous retrouver entre quatre planches. Le but, c'est d'éliminer plus de 80% de la population mondiale. Eh oui, il est trop tard. Sans compter les Robocop. Eh oui, chérie, il est trop tard. Eh oui, il est très difficile de dépasser, de briser dans le carcan, dans cette prison. Parce que la première prison, c'est votre esprit. Votre premier bourreau, c'est vous-même. Le premier sauveur, c'est vous-même aussi. Il faut le savoir, il n'y a pas d'excuse. Dans la vie, il faut se regarder la vérité, la réalité en pleine face. Sinon, c'est se mentir afin d'entretenir ses propres illusions et s'offrir directement à l'abîme, au feu de Moloch et de Baal. Mais ça, c'est votre problème, pas le mien, chérie. Hein? Oui, tu veux sauver tes gosses? Bouche toquée. Hein? Non, j'ai pas encore fini. Donc, il faut savoir que la France n'existe plus, il s'agit d'un consortium. Depuis 1848, on pourrait remercier le président Vincent Auriol, qui est le responsable, qui est le point de départ exactement de la destruction du royaume de France. En fait, il faut que vous retrouviez votre propre royauté intérieure afin que la royauté soit extérieure. Le premier changement, c'est à l'intérieur, chérie. Tout part de soi. Moi aussi, je t'aime. Et c'est comme ça, vous voyez? Eh bien, comme on a tort, c'est « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. » Et n'oubliez pas que vous êtes tous des co-créateurs, soit de votre construction, soit de votre propre destruction. Il faut savoir que on a tous bouffé des insectes, de la chair humaine, du cheval, de la merde. Voilà, qu'est-ce qu'on vous sert? Tout ce que vous êtes en train de servir ici à Châtelet, à courir après les magasins, vers la consommation qui vous consume par le feu de vos propres fausses passions. Voilà, ben ça c'est votre faute, c'est pas la mienne. Rien à battre. Aujourd'hui, nous sommes à un jour où les gens, il faut qu'ils retrouvent espoir. Mais il ne faut pas s'accrocher à l'espoir. Il faut plutôt s'accrocher au mot confiance. Parce que ce sera un monde extrêmement difficile, extrêmement dur. Nous allons tous perdre
nos amis, nos familles, les plus proches, nos ennemis aussi. Et vous allez voir que nous devrons marcher main dans la main vers cette bataille dite spirituelle, dite technologique, parce que nous avons affaire à Star Wars, à l'Empire contre-attaque. C'est pour ça qu'ils vous éliminent, chérie. Ils ont déjà préparé des clones. Ils vous l'ont dit. Combien 200 équipes de plus. Il y a beaucoup d'Ukrainiennes dedans. Elles sont trop mignonnes. Un peu trop parfaites à mon goût. Donc, pas humaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie d'aujourd'hui vous dépasse totalement. Le monde, ils ont minimum 60 ans, 80 ans d'avance. Hein, les idiotes. Je sais. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Aou, 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 aou. Éveille le guerrier en toi, éveille la guerrière en toi. Demande pardon à toi-même, avant tout. Parce que comment tu veux pardonner aux autres quand tu t'es pas pardonné toi-même? Ceci n'est pas possible. Éveille la force comme elle se fait, sans reconnaissant ses erreurs, en disant juste pardon. Oui, jeune homme, il n'y a plus de futur. Si vous croyez que vous allez avoir du fric, dès demain, en fait, comme vous êtes devenus des objets de biens de consommation, vous n'avez strictement plus aucun droit dit humain. Donc voilà. Mais bien sûr, personne n'écoute et continue à se consumer par la consommation. N'oubliez pas, donc je suis ce que je suis dans tout ce qui est. Je vous fais confiance à vous les bleus pour enfin bouger votre petit cul de feignante face à ce mal qui est en train de nous dévorer tous. À petit feu, corps, âme et esprit. Donc comment on fait? On ne donne pas son consentement. Et on refuse. Et on l'affirme. Je ne consens pas. Et je refuse. Tout est. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de loi. Pas de roi, pas de loi. Que nous vivons sous un consortium. Qu'est-ce que c'est le consortium? C'est un rassemblement de sociétés. Nous avons été vendus des pieds jusqu'à la tête. Les bijoux de la France, vos couilles, vos ovaires ont été vendus afin d'être consumés et consommés. Voilà, donc j'y vais arrêter. Je sais que mon message est passé et j'espère bien, les garçons, que vous allez regarder gendarme.com. T'avais qu'à apprendre à lire et à écrire comme ta grand-mère te l'a dit. Hein? Comme quoi, ça sert les disputes. Bah oui, c'est tout. Alors, apprenez à chanter, à rire de vos propres défauts, à rire de vous-même, parce que le rire, vous êtes à dédramatiser de tout ce qui va nous tomber dessus. Et tant pis pour les zombies, complètement zombifiés, qui iront de toute façon vers, parce que c'est la récolte des âmes. Donc Macron a totalement gagné, ainsi que ses maîtres, afin de vous dévorer à la petite cuillère. Et voilà, ben, c'est votre faute. Voilà. Bon ben, j'ai pas fini, mais je vous invite à lire la lettre. On a le droit de savoir, et nous avons le devoir de dire. Du couple Cox qui se mettent sous la loi de Sapin 2, donc la loi qui protège tous les lanceurs d'alerte. N'oubliez pas de vous protéger avec cette loi-là. Apprenez à jouer avec toutes les lois. Il faut les piéger à leur propre piège. Malheureusement, ils jouent avec vous, ils jouent avec vos esprits. Ils ont volé vos femmes, vos enfants, vos cartes de crédit. Il est trop tard, beaucoup trop tard. Donc aujourd'hui, nous allons sauver nos enfants du quoi-coupette. On va éviter qu'ils deviennent tous des putes. Soit ils sont, enfin voilà la génération future, soit putes, soit pifta cachés, ou tout simplement ils sont éradiqués à cause de leur ADN. Voilà, c'est pas du racisme. Aujourd'hui c'est de l'eugénisme, du transhumanisme. C'est une guerre totale contre toute l'humanité. Et la France sera l'exemple, même s'ils ne seront pas très nombreux. Mais comme vous le savez, à l'époque néotique, tout le monde jouait, consommait et se mariait. Il est ainsi. Et l'histoire se répète toujours, toujours et toujours. Mais tout est écrit. Suffit de savoir lire et interpréter. Sans supposition, sans jugement. Faites toujours un pas de plus en mettant toujours un doute à ce que vous pensez. Parce que n'oubliez pas que vous n'êtes pas vos pensées. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la psychotronie dirigée par la 5G, la 6G, ils prennent déjà contrôle de tous les corps. À eux, ça leur arrive tout le temps. Et je le sais très bien. Parce que je discute beaucoup, j'ai une relation très affectueuse et très amicale avec eux. Et je vois vraiment toutes les horreurs qu'ils sont en train de vivre. Et malheureusement, ils n'auront pas lâché parce que le mal envahit nos rues. Et un grand merci à tous nos champions et nos championnes
qui savent très bien qu'il ne reste qu'entre 3 ans et 5 ans maximum à vivre. Merci. Et désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, pour cette vérité qui, j'espère, va vous libérer de ces chaînes et de ces chiens. Bisous, bisous. Love, love, love.